Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Fallout 4. Je me suis arrêté à l'auberge là, il est 6h et on va essayer d'aider le barman là. Je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner. Je vais me contenter de prendre, je crois, ma batte de baseball pour faire un peu moins mal. Je vous souhaite un excellent séjour. Ah, oui, vous. On sert au devis Bobrov toute la journée. Oui. Eh mais c'est pas ça. Je ne fais que jeter un œil. Ah, d'accord. Normalement, je suis arrivé à la bonne heure. Tiens, c'est lui. Bah alors, on la ramène moins quand on n'a plus son petit micro, hein? Oh, oh. Écoutez, Salut l'ami. Je t'aime pas et j'aime pas ton émission. Vous. Alors, tu vas faire quoi, pauvre minable? Ça sent l'embrouille. Mmh, ça sent l'embrouille, tout ça. C'est pas... pas moi qui ai commencé. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait pour mériter ça. Je voudrais juste qu'il s'en aille. Quelle naze. Bon. Réagissez. Mais réagissez, bon sang. Restez pas là planté comme une lavette. Je sais pas si je pourrais faire ce truc là dont vous parlez. Avec ces types, ça pourrait... Enfin, ça pourrait mal tourner. Vous en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre? Oui, même. Je suis là. Vous en faites pas. Je suis avec vous. Bon. Si vous pensez que ça peut marcher... T'as du cran, gamin. C'est tout ce qui compte. Oh. Foutez le camp. Salut. Casse-toi, Minette. Bon. Bon. Oh. Sam. Ça suffit. Hein? T'as dit quelque chose? Je sens que ça va mal finir, cette affaire. J'ai dit, ça suffit. Vous tenez le coup? Laissez-moi tranquille. Bonjour. Ouais, ça va. Non, mais regardez-moi ça. Mais on s'y fait. Attends. Laisse-moi réfléchir une seconde. Des nouvelles. Non. Ils sont ensemble? Rien. Je suis sérieux. Laissez-moi tranquille. Mais c'est qui ferait presque peur, l'avorton? C'est ça, Travis? Tu veux nous faire peur? Tu vas faire quoi, hein? Tu vas nous cogner avec tes petits poings? Je vais vous filer une bonne raclée! Mauvaise pioche, mon gars. Je vais te démonter la tronche et celle de l'asticot à côté de toi. Foutez le camp! C'est une très mauvaise idée. Et ça, on va voir. Qui va. Putain, mais par contre, c'est du corps à corps? Je pense que je devrais pouvoir m'en tirer. La vache. Lui, il est mort. Ma mâchoire. Enfin, je sais pas s'ils sont morts. Putain. Merde. Mais merde. Pourquoi il se bat pas? Appelez la sécurité. Je pense qu'ils vont pas faire long feu là. J'ai quand même amélioré un peu ma force, heureusement. Faites quelque chose. Oh, il me reste encore pas mal de points de vie. Ah, c'est bon. Comment ça va? Travis. La vache. Bon, on a gagné, je sais pas si ça a servi à grand chose, Vadim. Mais... Je trouve ça s'est bien passé. Pouf, pouf, pouf. Attention. On passe à phase suivante du plan imparable. Ok. Il va encore falloir se battre? Non, non. Là, c'est simple. Vous avez vu Scarlett, hein? Elle travaille ici depuis un moment. Je suis que barman, mais je vois les choses. Je vois comment Travis, il la regarde. Et je vois comment, des fois, elle le regarde. Si quelqu'un qui n'est pas patron de Scarlett lui dit de passer du temps avec Travis, peut-être que ça fera du bien au petit gars. Ok. Allons-y. Je pourrais aller lui parler. Oui, voilà. C'est pour ça que je vous le dis. Faites ce qu'il faut pour elle accepte de voir Travis. Et ça vaut le coup. Évidemment, on n'a jamais eu conversation. Hein? C'est quoi cet accent russe pourri? Alors, persuader Scarlett. Scarlett, je sais plus où elle est, mais elle doit pas être loin. C'est bizarre, elle est où? Non, c'est pas par là. Qu'est-ce qu'elle fout? Bah, lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Achetez ou vendez ce que vous voulez et fichez le camp. D'accord. Je sais pas où elle est, Scarlett, d'habitude. Elle est pas très très loin.
c'est bien la serveuse quand même, j'ai pas rêvé. Votre structure osseuse est absolument merveilleuse. Vous devriez passer à méga chirurgie un de ces jours. Putain. C'est quoi ce que tu sacs? Ah, il y a une porte là? Non, d'accord. Depuis quand c'est lui qui fait le ménage? Normalement c'est... Essayez de ne pas vomir sur le plancher. Mais elle est pas là. Elle est pas là. Bon, je reviendrai peut-être plus tard. J'avoue que... Peut-être qu'il est trop tard. Elle est peut-être pas là la nuit. Est-ce que je peux encore rester une heure de plus dans ma... Ouais, c'est bon. Je vais dormir jusqu'au matin, peut-être. On va laisser passer 11h. On n'est pas à ça près, de toute façon. On a le temps. On verra si elle est là. Elle travaille peut-être pas la nuit. Alors, est-ce qu'elle est revenue? Bah non, je comprends pas. Comment se passe, petite affaire? Bah, j'aimerais bien que ça se passe bien, mais je trouve pas Scarlett. D'habitude, elle est toujours là en train de faire le ménage ou je sais pas quoi. Résident. Bon, bah, je reviendrai plus tard, honnêtement. C'est pas un drame. Radio CB. Bon, ça rame, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. Comme je sais pas où elle est, je vais pas la chercher pendant une demi-heure. J'ai plein d'autres choses à faire. Il faut que j'aille au... Dans cette ville-là, qui est pas très loin d'ailleurs. Seulement, je vais d'abord aller déposer mon... Le super gun que j'ai trouvé. Alors d'abord, je vais reprendre une arme... Qui se défend. Ouais, celui-là, pourquoi pas. Non, je vais reprendre mon... Non, pas celui-là non plus. Putain, c'est tellement le bazar. C'est pas celui-là non plus que je veux. Chez Micaire, prends soin de vous et de tous vos besoins thérapeutiques. Ne traînons pas. Quand c'est que je trouve pas Scarlett quand même? Si je mets le suivi de la quête, est-ce que ça m'indiquera pas où elle est par hasard? Parler au docteur Amari, son du clairon. Chemin de la liberté. Ça aussi, je peux peut-être le faire d'ailleurs. Je suis bien embêté là. Elle est où cette quête? Sauterelle dorée, docteur Amari. Merde. En plus, on m'envoie des textos, c'est toujours le même problème. Ah, c'est pas grave, j'ai essayé de m'en sortir, faire les deux en même temps. Deux petites secondes, je suis désolé. Je ne trouve plus la quête. C'est peut-être dans les divers. Inspecter. Histoire de baseball. Une histoire de confiance, c'est ça. Persuader Scarlett. Normalement, il est dans le suivi, donc... Persuader Scarlett. On peut pas avoir la carte locale ou quelque chose comme ça. Carte locale. Ça dit que Scarlett, elle est quelque part. Elle est... Ah putain, c'est... Je comprends rien à la carte. Bon, je laisse tomber. Hein. Scarlett, on verra plus tard. Je rentre chez moi vite fait. Découvrez tous les secrets de la femme hors du temps. Une résidente d'abri se réveille au bout de 200 ans. Parce que là, ça fait 10 minutes que l'épisode est commencé déjà. Et j'ai encore à faire. Ah, je sais, je me rappelais plus que je pouvais partir sans repasser par dehors.
J'ai fait un chargement inutile. C'est bête. Maintenant, il faut attendre. Ok. Donc là, vite fait. Il faut aussi que je cuisine d'ailleurs. Carte du monde. Elle a l'air persuadée Scarlett, elle a l'air d'être ailleurs Scarlett. J'irai peut-être la voir quand même. Elle a pas l'air d'être dans Diamond City. J'avoue que j'en sais rien. Cette arme, c'est la folie. Ça, c'est un... C'est un truc où on met, je crois, du bric-à-brac et ça se transforme en... C'est pour transformer le bric-à-brac en munitions, il me semble. Je crois que c'est cette arme-là qui sert à ça. Mais elle doit peser une tonne, honnêtement. Un jour. Alors, ce que je voulais faire, c'était juste vite fait balancer le Fat Man. Le minigun aussi, qui me sert jamais à rien. Ceci dit, il pourrait me servir à quelque chose. J'ai des munitions, donc je vais le garder. Ok, c'est tout. Et tout ça, ça n'a pas trop de poids. Mais je suis quand même à 207, quoi. Je sais pas ce qui pèse aussi lourd. Franchement, je sais pas ce qui peut peser aussi lourd. Tout ça, ça n'a pas de poids, hein, en général. Sanctuary deviendra une communauté. Alors je sais que plus j'améliore mes armes, plus elles pèsent lourd souvent. Bon, enfin quand même. Alors ce que je voulais faire, c'était cuisiner ici. Je dois pouvoir cuisiner pas mal de choses. Alors déjà l'eau purifiée. Amidon végétal, je sais pas à quoi ça sert. Non, moi ce que je vais faire, c'est les rôtis, là. J'ai tué tellement de trucs. Côte de chien. Un peu d'expérience au passage. Et surtout, beaucoup de nourriture. Molosse mutant. Ah, ça, c'est bien sympathique. Faux filet. Viande de Darion. Rat de cafard grillé. Steak de rat de taupe. Ok, bah c'était pas mal. Et en soupe, bol de nouilles. Pourquoi pas. Je pense que les deux se valent. Parfait. Quitter. Et question poids, je suis toujours au même niveau ou pas? Ouais, toujours. Je vais me débarrasser de toutes les grenades et tout ça. Je m'en sers pas. Je pourrais, mais honnêtement, dans les combats, je suis pas trop doué. J'avoue que je suis pas trop doué et que j'ai pas vraiment le temps de me servir de ça. Soit je les vends, soit je les bazarde. Pour l'instant, je vais les mettre en stock. Ouais, c'est pas ça qui va m'alléger vraiment. Alors, un petit peu, 192. C'est pas exceptionnel, mais c'est un peu mieux. Bon, bah c'est parti. Le but, c'est d'aller... Je continue sur la quête principale. Donc le but c'est d'aller... Alors là c'est un peu le bazar. La fosse... ici, Good Neighbor. Donc je pense que le métro sera parfait. On sera pas trop loin. Allons-y gaiement. A priori c'est un quartier malfamé.
Donc on va voir. En tout cas, ça met bien longtemps à charger. Allez, sérieux. C'est bon. C'est parti. Alors ça rame un peu, je vais attendre que ça charge. Je vais m'orienter. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Ouais, je pense que c'est exactement par là qu'il faut aller. Je prends la route, la rue qui est là. La plupart de mes affaires non résolues s'arrêtent à Boston Common. J'ai pas envie de les rejoindre. Putain, ça rame. Faut pas faire de mouvement. Eh merde. C'est quoi ce Beans? Ah bah putain, c'est injouable parfois. J'avoue, c'est un poil chiant, mais bon, c'est de ma faute, hein. C'est mon PC qui est assez minable. Et pourtant, les graphismes sont pas au maximum. Ils sont là, quelque part. Alors, le problème des ghouls, c'est que quand il y en a une, il y en a deux. J'en ai rarement vu toute seule comme ça à se balader. Pas bon, je dirais qu'ils ont mis les voiles. Même deux, ça m'étonne. Si, il y en a que deux. Remarque, c'est pour ça que ça laguait. Hein. C'est parce qu'il était en train de charger les... Il y a quelque chose dans les parages. Les ghouls, à mon avis. Pas très subtil de votre part. Ah, il y en a plusieurs. Il y a un cimetière ou je sais pas quoi, là. Merde, il y a quelqu'un derrière lui. Je sais pas si on va l'avoir, là. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Je rendrais bien une petite visite à ce cimetière. J'ai peur que ce soit risqué en fait d'aller là-dedans. Rien de spécial. Non. Pourtant c'est bizarre, si ça a un nom c'est que... C'est qu'il y a quelque chose à y faire, non? Ah! Capsule, plaston de cuir, casque militaire sale, lunettes à monture noire, pistolet automatique, on s'en fout. Ça m'étonnerait que c'est beaucoup d'intérêt. C'est exactement le même, hein. Ouais. Et les lunettes. Ah, ça offre du charisme au lieu de la perception. Ça se défend. Non, je vais rester sur les... sur la perception. Pour ce qui est des combats, c'est plus pratique. Alors, est-ce que je suis sur le bon chemin, là? La carte est pas très précise, j'avoue. Hein. Je pense pas que ce soit par là. Ah bah tiens, je pense que c'est l'entrée de la zone vu... Oh, c'est du mutant là. C'est quoi ça? Quoi? Qui est là? Il a pas l'air fut-fut celui-là. Là. On devrait y arriver. Je crois que ça va être le premier mutant que j'arrive à tuer. Remarque, j'en ai peut-être tué à l'entrée de Diamond City, mais... Il y en avait tellement que j'ai pas pu tous les tuer en fait. Et sans transpirer une goutte. Okay. Ah merde, il tombe d'où lui? Il vient de tomber du ciel, j'hallucine. Merde, je peux pas... J'ai plus de points de mouvement. Oh, il y en a deux. Je sais pas s'il y en a deux ou trois d'ailleurs. Finalement, ça se complique. On va se soigner. On va prendre du Nukia Coke par exemple.
peut-être changer d'arme. Passer au... J'ai 300 balles de 10 mm, faudrait que j'utilise. C'est tout. Putain. C'est quoi cette grenade là? Je vais faire mon coup critique. Ouais, ça a bien marché. Un de mort. À devenir copain. C'est quoi ça? Putain, il y en a encore un qui me tire dessus, je sais pas d'où. Chips, ouais. Oh merde, il y en a deux. Allez, c'est parti. C'était pas prévu ça. Je crois qu'il va falloir battre en retraite. J'ai eu une petite brochette d'iguane. Oh putain, c'est un excité, je suis là. Non, je peux pas l'avoir. La dernière gueule que tu vois. Merde. Ils embêteront plus personne maintenant. Ouais. J'espère qu'ils avaient des armes sympas. Hein. Plus sympa que les humains en général, par exemple. Ça m'a pas l'air. Hein. Capsule, 38. Arme de fortune, fusil. Non, c'est toujours les mêmes daubes. Ouais, non, ça c'est pas intéressant. Bon, après, peut-être que les deux autres, hein, on ne sait jamais. Je vais aller les voir. En tout cas, ils ont des cartes, des munitions, mais... 308, ça m'intéresse. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi ce délire? Ils ont tué tout le monde, je crois. Tiens, celui-là, il est peut-être intéressant. Je vais le ramasser. En tout cas, il est amélioré. Viande de chien, je prends. Putain, il y a de tout ici. Ah, ils aiment bien tuer les pillards, hein, visiblement. Ça je prends, je vais voir si c'est mieux que ce que j'ai. Bon, ça m'étonnerait, mais... Arme de fortune améliorée, ça m'étonnerait que ce soit bien. Ok. Tiens, là il y a un truc de Steampack. Je t'ai vu. Bon. Bah ça promet, si c'est un quartier de mutants, ça va être chaud. Je m'en suis bien sorti là. Je vais prendre une bouchée d'écureuil croustillante. Je vais regarder où on est sur la carte. Oui, pourtant c'est le bon chemin, donc... Je pense que ça va être un quartier bien sympathique à visiter. Good neighbor. Ah, ceci dit, j'ai oublié de monter les marches. Je vais aller voir ça. Là, pour l'instant, je vous laisse. L'épisode est assez long. Je vous donne rendez-vous demain. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Non, rien. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.